Bien, il disait. Les formations, les expositions, ventes, les défilés, les parades et bien d'autres. Relever d'un tel défi. Honorables invités, mesdames et messieurs, merci de nous faire l'honneur d'être présents à cette cérémonie d'ouverture officielle de la première édition du marché international des artisanes, MIA, plateforme dédiée à la valorisation de l'artisanat féminin. En effet, une femme très sage nous a enseigné que le bonheur existe, mais nous ne parvenons pas à le vivre car nous faisons l'erreur de croire que c'est l'autre qui le détient. En vérité, notre bonheur dépend entièrement de nous, de nos résolutions, de notre détermination, de notre foi. Les femmes du Refassi l'ont tant si bien compris qu'elles se sont données pour mission de vaincre toutes les adversités pour le trouver. Le marché international des artisanes est un rêve qui représente la porte de sortie pour une vie meilleure. Le MIA est le bébé que nous avons tant attendu. C'est un véritable bonheur pour nous. Nous tenons devant vous aujourd'hui pour le lancement de la première édition du MIA est le résultat de notre refus d'accepter que seules les personnes financièrement stables devraient oser entreprendre. Être à cette cérémonie est notre refus d'attendre passivement que l'autorité compétente fasse le premier pas en organisant ce genre d'activité. Ensemble, nous dépasserons nos limites et aucune limite ne pouvait nous empêcher de viser haut et demander le parrainage de la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara. Heureusement, cette dame qui aime les personnes qui osent, qui encourage l'entrepreneuriat féminin, n'a pas hésité à nous accompagner. Et accepter ce parrainage est pour nous la bénédiction du maire qui accompagne ses enfants pour une grande bataille. Et cette bénédiction nous garantit la victoire contre la pauvreté, la victoire contre la dépendance. Merci, première dame. Le MIA est une plateforme qui regroupe les femmes désireuses de rompre avec l'informel. C'est le lieu de rencontre de femmes qui désirent se former, partager et laisser leur empreinte dans le monde artisanal. Au MIA, nous souhaitons apprendre à connaître notre identité culturelle afin de mieux la valoriser. Cette année, la région de la Maraoué, en Côte d'Ivoire, nous fera découvrir sa beauté. Le MIA est une plateforme que nous souhaitons institutionnaliser. Et nous voulons compter sur notre marraine dans cette grande mission. Nous voulons compter également sur nos institutions, même si pour la plupart, elles hésitent encore à répondre à nos courriers. Nous comptons enfin sur vous. Famille, amis, connaissances, nous comptons sur nos maris, parce que ce sont les femmes. Souvent, quand le mari ne te soutient pas, tu ne peux pas avancer. Nous comptons sur vos encouragements. Les artisans du Refassi par ma voix vous remercient pour votre présence à nos côtés. Un merci tout particulier à la Chambre nationale des métiers qui, dès la création du Refassi, nous accompagner à toutes nos activités. Aidez-moi par vos applaudissements à dire merci aux vaillantes dames du Refassi qui ont travaillé d'arrache-pied pour la tenue de ce marché. Pratiquement tout laissé
pour la préparation de cet événement. On n'en dormait pas. C'est donc un immense plaisir qui anime le président de la Chambre de métiers de Côte d'Ivoire pour l'honneur que vous l'avez fait en associant l'image de notre institution consulaire à votre cérémonie. La Chambre nationale de métiers encourage et soutient les actions de promotion de l'artisanat qui figure en bonne place dans les missions régaliennes. Oui, nos produits de l'artisanat sont de qualité et le marché ivoirien de l'artisanat est-il donc une réponse à la digitalisation et à la conquête des nouveaux marchés. Le secteur est riche de compétences individuelles et collectives d'artisans talentueux qui font la fierté de notre pays dans les salons internationaux. C'est donc avec joie que nous constatons que les femmes contribuent efficacement et qualitativement à son essor. Le fait de disposer de plus de 250 corps de métiers, le secteur de l'artisanat se pose comme une alternative à la problématique de l'emploi. Avec un réseau de maîtres artisans qualifiés sur l'ensemble du territoire national de la Côte d'Ivoire et participer en liaison avec certains de ses partenaires à la formation et à la réception d'enfants dites en conflit avec la loi et les ex-combattants dans le cadre de l'ex-ADR. Mesdames et messieurs, honorables invités, je ne saurais terminer mes propos sans une fois de plus encourager la réparation plein succès à la première édition du marché international de la Terre MIA. Je vous remercie.